Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de la dernière heure. Le premier information et communication relative à la grève qui perdure. Emmanuel Nadingar a donné des précisions si pas du d'accord. Doba Robert, reportage. Face aux responsables des syndicats, du patronat, des organisations de défense des droits de l'homme et à ceux de la société civile, le premier ministre Emmanuel Nadingar a apporté des explications par rapport à la grève qui perdure. Rappelant les différents protocoles d'accord signés entre le gouvernement et l'intersyndicale, Emmanuel Nadingar rêve que ces accords sont appliqués. Les 20% des 300 points d'indice ont été exécutés. Et le gouvernement s'est dit en outre ouvert avec l'intersyndicale afin de contribuer au bien-être de la population. Cependant, le premier ministre Emmanuel Nadingar trouve anormal que les travailleurs et ceux du Sentas partent en grève alors qu'ils ont signé une trêve de 3 ans avec le gouvernement. Aussi, invite l'Union des syndicats du Tchad à faire bonne lecture des protocoles signés entre le gouvernement et l'intersyndicale. Le Premier ministre d'ajouter que l'UST doit faire preuve d'une maturité syndicale. S'agissant des valeurs d'indice, Emmanuel Nadingar indique que cet aspect ne figure pas dans le protocole d'accord. Une augmentation est disposée en force à l'économie nationale. Pour le Premier ministre Emmanuel Nadingar, les ressources pétrolières dont fait allusion l'UST sont aléatoires. Elles ne peuvent couvrir à long terme la masse salariale de plus de 111 000 travailleurs. Toutefois, le gouvernement s'est dit disposé à étudier toutes les possibilités permettant de revoir à la hausse le salaire en fonction des ressources dont dispose le pays. Point de vue salué par les responsables des différentes organisations de la société civile et ceux de syndicats qui invitent les deux parties à un dénouement heureux de la crise qui perdure. Nous nous félicitons que le gouvernement rassure et dit qu'il continue le dialogue. Et c'est une très bonne chose. Parce que nous également, opérateurs économiques, nous subissons durement cette grève et nous voudrons qu'elle cesse rapidement. Et nous vous réaffirmons notre disponibilité. Le gouvernement a été dit à trouver rapidement une solution d'intérêt général de notre pays. Nous allons également apporter notre concours dans le cadre de cette communication pour que la paix sociale puisse être une œuvre de tous, pour que nous tous nous puissions contribuer à la consolidation de cette paix sociale tant recherchée. Maintenant que ce protocole a été expliqué clairement, nous savons que nous sommes induits en erreur. Je vous demande seulement que le cadre des fonctionnaires soit revu et qu'on paye les fonctionnaires. À entendre les uns et les autres, il se pose un problème de la lecture des protocoles d'accord. À la lumière des explications apportées par le gouvernement, les travailleurs sont bien édifiés. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre des Finances et du Budget, Christian Georges Diguimbay. Je vous confirme que le protocole d'accord est totalement appliqué. Ça, c'est une certitude au niveau du ministère des Finances. Ensuite, je crois qu'on exagère un peu, il y a eu quelques erreurs, mais il faut qu'on les relativise. Nous devons tous savoir aujourd'hui que le nombre des fonctionnaires civils tchadiens tourne autour de 71 personnes. Lorsque nous avons pris les dispositions pour appliquer la convention, il y a eu quelques erreurs de paramétrage qui concernent un nombre plus que négligeable de fonctionnaires. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais rapporté à ces 71 000 fonctionnaires de la fonction publique, bien sûr, pour les individus concernés, ça a un impact, mais je pense honnêtement qu'il ne faut pas exagérer la question. Si mes souvenirs sont bons, ça tourne autour au maximum de 100 fonctionnaires. Donc, je répète, parce que c'est important de le dire, la convention signée avec les syndicats est appliquée. Maintenant, je crois qu'il y a quelque chose, soit qu'on ne veut pas comprendre, est clair. Il ne fait pas du tout allusion, le Premier ministre l'a répété à plusieurs reprises, à une quelconque augmentation de la valeur du point d'indice.
La convention ou le protocole d'accord que nous avons signé avec les syndicats est également très clair. Il dit que l'application du décret 1249 s'échelonnera comme suit. 20% en 2012, 40% en 2013 et 40% en 2014. Mais j'insiste sur un mot qu'on oublie, l'application du décret 1249. Ça ne veut évidemment pas dire que de manière mécanique, les salaires des fonctionnaires vont augmenter de 20%. Ce n'est pas vrai. Pour rendre pratique cette application des 20%, techniquement, puisque quelqu'un a interpellé les techniciens, nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle une grille de salaire transitoire. Transitoire en ayant à l'idée que l'objectif est le fameux décret 1249 que nous visons. Seulement, comme toute grille salariale qui évolue, il y a, je dirais, malheureusement, et c'est un principe universel, tout le monde, je dis bien, n'évolue pas de la même manière, mais vous trouvez également, et c'est tout à fait normal, des fonctionnaires qui n'évoluent même pas. Parce que lorsqu'on fait un rapport entre la grille de départ et la grille transitoire, il y a des gens qui n'évoluent pas. Ça a été le cas, je dirais, de 6702 fonctionnaires. Ce n'est pas une mauvaise foi, ce n'est pas une erreur, c'est simplement le jeu de la grille salariale qui n'ont pas vu leur salaire augmenter. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais je pense qu'il est important que l'on se comprenne une fois pour toutes. Lorsque vous faites une nouvelle grille, le technicien qui observe les cas individuels se dit, monsieur Mamad Chérif, par exemple, dans la nouvelle grille, il est à l'indice 360. Mais ce monsieur est également à l'indice 360 dans l'ancienne grille. Par conséquent, il n'a pas droit à une augmentation. Il attendra que les choses évoluent le concernant. Les choses qui évoluent le concernant, c'est quoi? C'est qu'il a droit à un avancement, etc., etc. Mais on voudrait rassurer les gens. C'est une grille transitoire. C'était le ministre des Finances et du Budget, Christian Georges de Guimbay, qui s'exprimait par rapport à la grille salariale des fonctionnaires. C'est pris à tout à l'autre. La mission gouvernementale chargée d'assister les sinistrés des inondations est arrivée à Kélo et à Pala. Après des séances de travail avec les autorités administratives, la mission a remis à chacune des deux régions la somme de 150 millions, oui, de nos francs destinés aux victimes d'inondations. Asselana Batingar, précision. La Tangilé fait partie des régions les plus touchées par les inondations. Pour preuve, l'Aïe. Le chef-lieu est inaccessible. La délégation ministérielle chargée de remettre l'aide du gouvernement aux sinistrés est obligée d'aller à Kélo. La situation est épouvantable. Les ministres Fatmé Issa Ramadan, Djimé Adoum et Mokhtar Moussa l'ont constaté tout le long du trajet menant à Kélo. La ministre de l'Action sociale Fatmé Issa Ramadan, visiblement émue, a dès son arrivée remis la cagnotte de 150 millions de francs CFA destinée à la Tangilé au préfet de la Tangilé Ouest, Anadif Abakar Al-Khali. Vu l'urgence, elle a demandé au préfet, aux membres du comité régional d'action et cadres de la région, ayant fait le déplacement pour la circonstance, de rejoindre le gouverneur à l'Aïe pour affiner les modalités de distribution de cette aide du gouvernement tchadien. La mission n'est pas du tout repos. La délégation a ensuite quitté Kélo à 20h pour arriver à Pala, chef-lieu de Mayokubi Ouest à 23h. Elle s'est aussitôt mise au travail. Le gouverneur ayant mobilisé les membres du comité régional d'action depuis 8h. Pour la région Mayokubi Ouest, c'est aussi une cagnotte de 150 millions de francs CFA que Fatmé Issa Ramadan a remise au gouverneur Amadaï Abdelkerim Bakri. À l'instar des étapes précédentes, le mot d'ordre de cette opération est la transparence. Vu l'ampleur des dégâts, les plus nécessités sont à prioriser.
L'UJR, Union des jeunes pour le renouveau, organe de base de l'UNDR, organise depuis le 7 septembre son premier forum au siège national du parti. Des jeunes venus de tous les horizons du pays prennent part à ce forum qui a pour thème « Jeunes viennent au défi de l'alternance démocratique au Tchad ». Plusieurs résolutions et recommandations ont sanctionné les travaux. Kandatao Hamia. En deux jours, l'Union des jeunes pour le renouveau a eu à diagnostiquer les forces et les faibles de sa formation politique. Les membres de cet organe de base de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, UNDR, ont eu à travers des exposés à déceler les maux qui minaient le bon fonctionnement de leur parti. L'Union des jeunes pour le renouveau est parvenue à élaborer des résolutions et recommandations pour amorcer un nouveau départ. Réactualiser l'être de base de l'Union des jeunes pour le renouveau en redéfinissant le cahier de charges et les attributions de l'UJR. C'est doter d'un plan d'action politique à court, moyen et long terme pour faire face aux défis de l'alternance démocratique. Instaurer une communication ascendante et descendante entre le bureau exécutif et les différents organes du parti, notamment l'UJR, afin d'impliquer les jeunes à contribuer davantage à la bonne marche du parti. Pour le président national de l'UNDR, ce premier forum de l'UJR est assez. Il aide les jeunes à récupérer les enseignements reçus aux membres qui n'ont pas pris part à ces mots. À vous, jeunes, le mot d'ordre qu'on vous donne, c'est de commencer à vous organiser dès maintenant pour que le moment venu, on ne se mette pas à chercher de gauche à droite. Il faut que quand on arrive aux élections législatives et que nos cellules se réunissent, les candidatures là doivent être prêtes. Elles ne peuvent pas être contestées parce qu'elles sont présentées par des camarades qui ont milité depuis des années, qui ont préparé ces élections et qui, de façon légitime, vont être acceptées par les autres camarades pour nous représenter et gagner les élections. C'est comme ça qu'un parti fonctionne. Le président national de l'UNDR invite les membres de l'UJR à se réorganiser et ne pas arrêter l'élan politique qu'ils viennent d'entamer. Suite à l'appel lancé par le Premier ministre Emmanuel Nadinga le 1er septembre dernier à l'occasion du lancement de la Semaine nationale de l'arbre 2012, la population de Michimire, avec à sa tête le gouverneur de la région du Bahr El Ghazal, a procédé à la mise en terre de plusieurs plans. Grangatiam Irima. C'est la ville de Michimire qui a été retenue pour le lancement de la Semaine nationale de l'arbre édition 2012 par la délégation de l'environnement pour la région de Bahr El Ghazal. Dans cette zone désertique, les autorités de la localité, accompagnées des fils et des filles de la région, ont pris en main le destin de leur ville. Une synergie d'action pour lutter contre l'avancée du désert. Pour le gouverneur de la région, Bayana Kosinga, le reboisement de Bahr El Ghazal contribue au programme du gouvernement. Nous sommes dans une zone désertique et Michimire se trouve à la porte du désert. Et maintenant que la population, le geste qu'ils viennent de le faire, serait suivi par tout l'ensemble des Tchadiens et dans tout le Bahr El Ghazal. En cette journée, plus de 1000 plants ont été mis en terre. Le désert avance à grands pas et il n'est plus question de rester passif. À l'avant-garde de cette lutte contre la désertification figure le groupement Mashallah, une organisation qui a bénéficié d'un forage d'eau de la part du député Abdourahmane Ahmad Choukou pour assurer l'entretien des plants. C'est ici que s'achève cette édition de la dernière heure. Merci de votre fidélité. Bonne journée à tous.